Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, 11e jour d'ouverture du calendrier de l'Avent. Alors tout d'abord, je vais vous montrer la découpe d'hier. Alors j'ai eu un petit peu de mal à deviner ce que c'était. Et en fait, c'est une... Alors, on va pas trop bien le voir. C'est une licorne qui dort. Donc, je vais vous dire que c'est ce Dyslam... Enfin... Je ne crois pas que je m'en servirai beaucoup parce que déjà les licornes, c'est pas mon dada, sans jeu de mots. Et puis, honnêtement, j'ai un peu de mal. Alors certes, on voit bien hein, les cils fermés, etc. La mèche, les oreilles et la corne, mais voilà. Celui-ci, sans plus. Donc, si c'en est un sur les 25 qu'il y a dans le... Dans le calendrier, c'est pas trop grave. Hein. Alors, on va donc ouvrir la 11e. Sans déchirer. En évitant de faire des grimaces, parce que je me suis rendu compte que je faisais de sacrées grimaces sur les autres en essayant d'ouvrir. Voilà. Alors, au niveau, donc, Carpe Diem, voilà, j'ai un dice avec Carpe Diem de chez Sport Plaisir que j'adore, et puis là, alors dans quel sens je le mets? Non, peut-être comme ça plutôt. Non plus. Alors, peut-être comme ça. Non, je crois pas parce que là il y a un A. Alors comme ça. Waouh, voilà, c'est mieux. Varié. Donc le mot waouh. Ah le mot. Non, bref, waouh, waouh, voilà, ben pour aujourd'hui c'est pas trop mal. Alors on va attaquer le calendrier chocolat. Alors le numéro 11, voilà, je l'ai. Ok, le chocolat ne résout pas les problèmes, mais les pommes non plus. Ça, voilà, genre d'humour que j'aime beaucoup. Voilà donc pour aujourd'hui, au niveau des calendriers. Alors, je vous avais parlé d'un futur tuto, d'un mini-album très très simple et surtout pour les débutants. Donc voilà, il est. Donc, j'ai date de 2014, celui-ci, je crois. Ou de. Oui. Donc, ça, c'est son contenant. C'est une enveloppe, hein, tout simplement fait avec l'outil enveloppe. Et alors, c'était une collection de papier de Noël de chez Scrap Plaisir, bien évidemment. Donc, c'est Noël 2014, donc il a été en 2015. Fait en 2015, plus exactement. Voilà, donc la couverture. C'est vraiment très simple. Et je m'étais servi... Oh, j'ai oublié de remettre la photo. Là. Simplement, en fait, dans nos anciennes collections papier, on avait toujours des bandes de 30,5 par 12. Et en fait, j'ai utilisé deux bandes. Ouais, il me semble que c'était deux bandes pour réaliser ce petit album. Oh, pardon. Voilà. Ici, on avait simplement... Comme ça, voilà. Ici, voilà, Roman, hein, qui a bien changé, qui avait des très longs cheveux à l'époque. Et puis, ben ici, donc j'avais mis pour attaque, je n'ai jamais mis donc les photos. Voilà, donc c'est vraiment un mini album très rapide à faire, mais on pouvait mettre quand même pas mal de photos. Et puis au niveau format,
C'est quand même du format classique, hein, du 15 par 10. Et j'en avais mis une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, 17, qu'on peut mettre avec grand et plus petit format. Voilà, donc c'est ce tuto que je peux vous faire pour la fin de la semaine. Du coup, je le ferai peut-être dimanche et puis je vous le mettrai courant donc semaine, dernière semaine avant les vacances des enfants. Et je n'avais utilisé que des produits Scrap Plaisir, que ce soit les découpes, les tampons. Là, il y a de l'embossage, il y avait de l'embossage à chaud. Enfin, voilà, partout. Oui, tout était des découpes donc de chez Scrap Plaisir. Voilà, donc pour aujourd'hui, j'ai fini de vous embêter. Je vous dis bonne journée, enfin bonne fin de journée, parce que le temps que ça se télécharge, on sera en milieu d'après-midi. Je vous dis bon scrap et à demain. Bye bye!